Je regarde l'heure, je me dis, mais attends, en fait, j'ai pas 2 heures, il me reste 20 minutes. Hello Beauty, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mai, si tu me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Je sais que le dernier remonte au mois d'août, donc ça fait plus de, je sais pas compter, 4 mois qu'on s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, donc bon lundi à tous. Je suis en train de m'habiller, je mets actuellement mes chaussettes. Alors, comment vous dire, ça fait hyper longtemps et j'ai grave envie de me remettre au weekly vlog. Franchement, ça me manque. Surtout que, comme vous l'avez vu dans la vidéo de mercredi dernier, j'ai enfin emménagé dans mon nouvel appart. Donc, je voulais absolument filmer ça avec vous, partager ça avec vous. Mes coups de cœur, mes galères, l'avancée de l'appartement tout simplement. Donc je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les vlogs, là c'était plus possible. Et que bah au final vous aviez manqué trop de choses et qu'il faut que j'arrête d'attendre le bon moment pour commencer à vous filmer des choses et juste filmer au fur et à mesure. Parce que entre temps j'ai eu ma voiture, j'ai eu mon appart, enfin il y a tellement de choses qui sont passées. Donc voilà, et en plus je poste pas sur Insta non plus, donc c'est une galère. Donc résolution pour l'année de mon anniversaire, pas le nouvel an, mais tu vois quand tu fêtes ton anniv, bah, c'est une nouvelle année pour toi. Je sais pas si c'est très compréhensible, on est lundi matin, je suis fatiguée. Et ben résolution, c'est que je veux être archi assidue sur les réseaux, mais genre vraiment, en plus le fait d'être dans un nouvel espace, ça me donne plein d'idées, ça me... J'ai plus honte de vous filmer du contenu parce que bah du coup j'ai de la place et c'est lumineux et tout ça, même si j'ai pas ouvert les volets. Mais donc voilà, j'avais grave envie de prendre ma caméra et vous vloguer, bref. Donc on est lundi matin, je vais au travail, il est actuellement 8h25, je voulais prendre la voiture aujourd'hui sauf que je mets 40 minutes pour aller au travail alors que j'habite à côté, hein, vraiment. Donc bah, on va prendre les transports, hein. On va prendre les transports, on va pas s'embêter. Franchement j'ai pas le temps et puis je reviendrai chez moi. En fait pourquoi je voulais prendre la voiture, c'est parce que je vous explique, ce soir je voulais aller faire quelques courses, donc du coup j'avais pas envie de porter en gros mes courses dans les transports et je dois également commencer à préparer une valise parce que mercredi je vais en séminaire avec le travail. Donc il faut que j'ai plein de petites choses à acheter, des petites bricoles, j'ai des lessives à faire, donc il fallait que j'achète tout ce qu'il faut, le nécessaire pour la lessive, pour la maison quoi. Attendez, je vous prends parce que en fait l'heure tourne et il faut que j'y aille. Par contre, point hyper important, faites pas attention au bordel parce qu'il y en a hein, et vous allez en voir. Je vous disais, vous allez voir du bordel partout, c'est normal, j'ai plein de cartons, je vous ferai un tour de l'électroménager. Mais si j'oublie, mon frigo c'est un LG, je l'ai acheté chez Electrodépôt. Je crois qu'il m'a coûté peut-être 500 €, un truc comme ça. Donc voilà, je vous ferai un tour de l'électroménager, de ce que j'ai, etc. ce soir. Parce que là, vraiment, je n'ai pas le temps, j'ai le nez qui coule en plus. Et moi qui voulais mettre des talons, aujourd'hui si je partais avec la voiture, bah, c'est mort. Du coup je vais mettre mes Air Force noirs. Ouais, je m'abouche avec du papier toilette. Je viens de remarquer ça. Et écoutez, bah, c'est pas grave, on fera l'aller-retour ce soir. Hein. J'ai envie de vous dire. Du coup, attendez. Allez. Du coup, c'est parti pour cette semaine. On y croit fort. On adore. Rapidement je vous montre ma tenue. Alors ça c'est Skims. Mon dieu. Skims, ça c'est un legging qui vient de chez Zara. J'ai mes Air Force One qui sont juste là en noir. Ça c'est un, comment on appelle ça, un blazer de chez AliExpress. C'était une imitation. Putain, il veut pas focus.
une imitation de chez Zara qui vient de chez AliExpress. Mon manteau que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Et mon petit sac comme ceci. Donc c'est parti. Bon. Au pire, je vous montrerai quand je serai au taf, si j'oublie pas. Mais là, je suis un peu en retard. D'habitude, je pars d'ici à 10, il est 30. Voilà. C'est super beau. Il y a des guirlandes partout. Mais en fait, je suis toujours là et il n'y a plus de lumière. Ça va pas du tout. Je suis encore au travail. Il est, je crois qu'il est 20h passé. Hein. Il est 19h55. Oh mon dieu, ils ont éteint toutes les lumières. Mais qu'est-ce que je fous là encore? Mon dieu. Et je crois que j'ai des collègues qui sont encore là-bas. Non mais il s'agirait de rentrer à la maison, oui, mesdames. Comment, ma chérie? 19h55. Non. En tout cas, si. En tout cas, j'ai vu votre sapin rose. Ouais. Magnifique, j'ai fait un petit tour. J'ai fait un petit tour, j'ai pris des photos et tout. Il est super beau. Bon. Super beau. Bon. Et la guirlande bleue. Donne-moi du scotch. La guirlande plume, elle est encore sur mon bureau, hein, si vous avez besoin. Ok, bonne soirée. Salut. Non, moi ça y est, je rentre chez moi là. Pendant que j'y pense, je vais vous montrer comment j'étais habillée aujourd'hui. Je pense que vous allez mieux voir dans cet ascenseur. Ah mince, si j'appuie pas sur zéro aussi. Mais voilà, c'est très simple. Très chill. Remy Beauties, je suis bien arrivée chez moi. Il est actuellement 22h13. Mes lèvres. Est-ce que ça se voit que je suis déshydratée et qu'il faut que je mange quelque chose là? Oh, je fais peur. Non. Je fais un peu peur quand même. Bon, du coup, en sortant du taf, je suis passée chez Picard. Moi, je fais trop la meuf. Et du coup, j'ai tout mis au frais. Fais attention à la serviette qui est à côté. Donc, je sais pas trop quoi manger. J'ai pris des linguines au saumon et aux épinards sauce citron basilic. Franchement, ça fait rêver. Ou sinon, j'ai pris des tagliatelles aux truffes et aux champignons. Franchement, je sais pas. Ce que je vais manger, je pense que j'ai plus mangé le saumon. Aujourd'hui, ça aurait été... Ça, c'est tout saumon. J'ai mangé ça aussi à la cuisine. À la cantine. Je vais me faire ça archi rapidement. Je voulais préparer ma valise aujourd'hui. Il y a tellement de choses que je voulais faire. Préparer ma valise, ranger mon make-up. Tout ça. Mais au final, j'aurai pas le temps parce qu'il est déjà trop tard. Donc là, je mange, je me lave, je dors. Je suis explosée. Franchement, cette journée, elle m'a mis KO. Jusqu'à, genre, je me sens pas bien. J'ai envie de vomir. Donc ouais, je vais faire ça. Et puis, je ferai ma valise demain. Tant pis, hein, je vais la faire en dernière minute. C'est prêt. Depuis tout à l'heure, ça fait que sonner. Sauf que j'arrive pas à me lever, en fait. Alors... Bon, goûtons ensemble. Et si vous savez pas, genre, c'est vraiment la Hesse de chez la Hesse. C'est pas la Hesse, mais c'est ghetto de ouf. Moi, ça va, ça a l'air de sentir bon. Ce que j'ai fait,
Bon, on va rajouter un peu de jus de citron parce que moi j'aime bien quand c'est acide. De ouf. J'aime l'acidité. Donc je vais mettre du citron. Je crois que j'ai même pas de sel, punaise. Vas-y, je dois manger ça comme ça. Et tellement c'est ghetto et que j'ai pas de couvert, j'ai dû m'acheter des pochettes en plastique. Mais qu'est-ce qu'elles sont moches, mais elles étaient pas chères et puis. Et puis ça va me durer le temps. Au pire, j'en rachèterai encore. Et là, ça sert à rien que j'achète plein de trucs. Alors que je peux même pas les ranger. Non, ça va, hein. Je crois même que c'est réutilisable, ça, non? Je sais pas. Et je pense que pendant que je vais manger ça, ça a l'air petit, hein. Peut-être que je vais faire l'autre aussi, hein. Ça a l'air archi petit. Franchement, ça donne archi pas envie. Mais moi, on m'a toujours dit, Picard, c'est bon. Ça va. C'est pour un plat réchauffé, ça va de ouf. Juste, ce que j'aurais kiffé avoir, c'est du sel. Ou un truc pour assaisonner. Mais là, j'ai rien de chez rien, de chez rien. Donc écoutez, je vais manger ça comme ça. Je vais me poser devant, devant la Casa de Papel, je pense. Et après, game over. Parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais non, franchement, c'est pas mauvais, hein. Genre, premier repas réchauffé ici. Non. Franchement, c'est pas mauvais. Et ça coûte grave pas cher. Et je vais mettre de l'eau. Attendez. Faut que je me prenne. Pour vous montrer ça quand même. Parce que this is a freaking revolution. Bon, si j'arrive pas. Ah! Non, mais est-ce que. Est-ce que je suis sérieuse dans mon délire? J'en fous partout par terre. Est-ce que je suis sérieuse dans mon délire? Est-ce que je suis sérieuse dans mon délire? Non, mais franchement, il n'y a pas à être une villageoise comme ça, là. J'en ai... J'en ai mis partout. Eh, une villageoise. J'ai juré, une villageoise. Attendez, je vais essuyer quand même. Il n'y a pas à faire des bêtises comme ça. J'en ai marre de moi, punaise. Oh, mais j'en ai mis vraiment partout. Hein. Hello mes beauties, on est le lendemain, donc mardi 7. Il est 23h05, je viens juste de rentrer chez moi. Franchement, j'en ai marre de mon système d'organisation. Vraiment, tout faire à la dernière minute, c'est pas une vie. Je vous assure, c'est pas une vie. Donc, aujourd'hui, j'ai taffé. J'ai taffé et en fait je dois me préparer parce que demain j'ai un séminaire. Je sais pas si je vous ai dit ça, mais demain j'ai un séminaire, genre je pars à 6h du matin. Enfin je crois. J'ai même pas téléchargé mes billets. Je sais même pas à quelle heure je pars. Je sais même pas à quelle heure est le train. Non, franchement c'est... Mon système d'organisation, franchement. Je sais pas si vous, vous êtes pareil, mais en fait à chaque fois que je dois partir en déplacement ou en vacances et tout, la veille... Je sais pas, je suis toujours angoissée, stressée, genre limite j'ai envie de tout annuler, dire que je suis malade et rester chez moi dans mon confort. Et du coup, ce qui fait que je suis archi pas organisée, je suis au bout de ma vie. Donc, ce que j'ai fait quand je suis sortie du taf, c'est que comme ben, je pars, j'ai pas pu me commander ma machine à laver et tout. Donc du coup, j'ai pas de machine à laver, mais il fallait que je fasse... Fallait que je fasse des lessives, donc je suis partie faire mes lessives. Ensuite, je suis partie chez ma pote récupérer des affaires de ski, genre un pantalon et des gants parce qu'on va à la montagne. Et je viens tout juste de rentrer, donc juste ça là, ça a pris tout ce temps. Mais après, je sors archi tard du taf, donc c'est pour ça. Donc là, le programme... C'est de manger, d'aller me laver, de faire ma valise. Et je sais que j'aurai pas le temps de manger, enfin de dormir en vrai.
Parce que si je pars à 6 heures, ça voudrait dire que... et je vais pas prendre ma voiture parce que flemme de payer le garage pour rien. J'espère que c'est bien à Gare de Lyon. Mais en gros, faudrait que je parte genre une heure avant. Donc à 5 heures. Mais si je pars à 5 heures, il faut que je commence à me préparer à 4 heures. Donc, je suis un peu à l'opposé en plus. Seigneur. Et actuellement 4h17 du matin. En vrai, j'ai encore rien fait. Enfin, je suis demi-tour. J'ai pas rien fait. Mais il manque ma valise à faire. Je me suis lavée, j'ai mangé. J'ai chillé un tout petit peu. J'ai chillé quand même une heure et demie. Et là, je suis explosée. Donc, j'ai mis mes lunettes. Je pense que je vais même pas me maquiller. Donc là, je vais m'attaquer à la valise. Parce que dans 2 heures, il faut que... Donc, j'ai le temps de faire ma valise. De me préparer. Et tout. Donc, franchement, je vous retrouve après. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant qui va se passer. À croire, j'ai jamais fait une nuit blanche de ma vie, mais je sais pas, je suis KO, je pense que ça se voit. Est-ce que dans la dernière scène que vous avez vue, j'ai dit n'importe quoi, on est d'accord? C'est pas genre chez ma valise et tout, à un moment je me sens un petit peu étourdie, tu vois, j'ai besoin de me poser. Je regarde l'heure, je me dis, mais attends, en fait j'ai pas 2 heures, il me reste 20 minutes. Et comment j'ai speedé? Donc là, c'est ok, j'ai fait ma valise. Il est 5h14, donc je décale là pour être à la gare vers 6h, un truc comme ça j'ai une heure devant moi tranquille, je me prends pas la tête, je stresse pas parce que les bails comme ça là c'est chaud, donc voilà, j'y vais, je me prends avec moi et c'est parti pour le séminaire. Bon, mes beauties, on est bien arrivé, ça y est, donc... il neige. Il neige, il fait tout blanc autour de moi. Je vais essayer de vloguer un maximum, mais vu que je suis avec mes collègues, ça va être grave galère. Donc au pire, je vous prends avec mon téléphone, je pense que ce sera beaucoup plus discret. Mais c'est archi beau. Vraiment. Mais là, je vais rentrer parce que je suis trempée. Une première chambre. Toup toup toup. Alors, je vais... Ah oui, il y a des toilettes ici. Oh là là, t'es bien, t'as tout. T'as tout, t'as tout. La salle de bain. Et... ah ouais, non, franchement, c'est bien pensé en plus. Hein. On adore. Moi, je vais montrer le reste du palier. Donc là, c'est le bas. Ça, c'est... on a dit débarras, on s'en occupe pas, on s'en fout. Ensuite, quand on continue ici, c'est un accès pour l'extérieur encore. Voilà. Ça donne sur dehors. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est ma chambre. Pourquoi ce salon? Ah, mais j'ai aussi des... j'avais pas vu. Bah oui, j'avais pas vu. Donc avec un petit peignoir que je vais bien enfiler, j'ai accès directement, enfin je vois dehors le balcon, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà ma vue avec un énorme chauffage, on adore. On va aller faire les photos de là-haut. Et ouais, bah oui c'est ça.
C'est ça. Et attends, il est où le sauna et le hammam? Ah, voilà. Et là, du coup, on a un espace. Non. Fais des bêtises. Je sais pas où il est, l'interrupteur. Je sais pas où il est. Ah. Dressing. Dressing, carrément, avec, bien évidemment, une buanderie. Écoutez, on n'est pas dans un 5 étoiles pour rien en fait. Donc voilà. Et dans chaque chalet, nous avons un sauna. Donc, sauna juste ici. Magnifique. Et en plus de cela, ma salle de bain, qui n'est pas connectée malheureusement. Mais c'est pas grave. Donc, hey. Cette caméra et le focus, vraiment, c'est incroyable. Hey. Voilà. Alors, je vais faire comme ma collègue. Je vais vous montrer le haut avant qu'ils arrivent. Ah, je pense pas. Hein. Elle va aller voir la chambre du chef. Non, mais bah ouais, je pense, hein, ils ont dû réserver. Hein. Alors, la cuisine, punaise. Aménagée, s'il vous plaît. Aménagée. Ensuite, franchement, c'est immense. Je crois qu'il y a 180 mètres carrés. On a une grande table. Un espace salon. Hyper beau. Carole, qu'est-ce que tu fais? Il y a un bureau, puis je pense qu'il y a la salle de bain. Ah ouais. Ah ouais. Mais ils sont bien. Bon, on va vite refermer. Non, c'était ouvert. Ah d'accord. On laisse comme ça. J'ai rien fait, c'était ouvert. Et là, j'ai pas ouvert. C'est la chambre du chef. Voilà. Non mais, tu te rends compte? 180 mètres carrés. 180 mètres carrés. C'est joli. Ah, j'avoue, c'est hyper beau. On parlait tout à l'heure, la nuit à combien? La nuit à 2005, 35? Un truc comme ça. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who coming, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you want me, can't be turning up with everybody. Nah, can't be fucking on this anybody. Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it. Yeah, you know that it's something when I sing about it. Yeah, mama used to be on disability, but gave me this ability. And now she walking with her head high and her back straight. I don't think you're feeling me. Bon, bah c'est pas grave, je vais faire comme ça. Franchement, cette caméra, elle m'énerve. La tête d'homme, elle m'énerve. J'ai envie de la jeter, bref. J'espère que vous me voyez bien et que c'est pas flou. Ça a pas l'air d'être flou, là, dans le retour en tout cas. Beauty, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin rentrée dans mon séminaire. Franchement, c'était archi stylé. Je vous ai pas vlogué réellement pendant ces 2-3 jours parce que j'étais avec mon entreprise et c'était un peu galère. C'était un peu galère. Donc en gros, on est parti à la montagne. On a eu du team building, enfin voilà, des trucs d'entreprise quoi. On a profité du spa, du jacuzzi. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû voir, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc voilà, et là on est vendredi soir, il est actuellement 22h. J'ai rendez-vous à 22h30 pour aller manger avec mes copines. On va au Jumeirah, je crois que ça s'appelle comme ça, Jumeirah, c'est dans le 11e à Paris. Et j'en ai, tout à l'heure j'ai vu, j'en avais pour 40 minutes, mais ça va pas. En fait, ça va pas.
Donc, je vais essayer, on va regarder. J'espère que... Ouais, non, j'en ai pour 40 minutes, sa mère. Donc, il faut que je décale tout de suite. Donc, je vous prends avec mon téléphone parce que je vais pas vloguer sur ma caméra de vlog. Et franchement, vu que je viens de rentrer, je me suis préparée en 2-2. J'ai fait un make-up hyper simple. J'ai juste mis les faux cils. Ça, c'est un haut de chez Zara. Et j'ai un pantalon noir de chez Zara avec mes teams. J'ai même pas cherché à me mettre bien. Écoutez, on va y aller comme ça. Et je vais arriver en retard en plus de cela. Donc, I need to go like right now. Right now is the time. Et franchement, cette caméra, je vais la jeter parce qu'elle m'énerve vraiment. Est-ce que c'est normal de pas focus comme ça? But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line. Tu t'en prie quand tu dors, allongé sur le canapé, dans l'âme, le raison. À nos risques. Bon, mes beauties, je viens de rentrer du concert de Henny. Attendez, je recommence, on récapitule. Mes beauties, j'espère que vous allez bien. On est samedi, je vous ai pas vlogué de toute la journée parce que concrètement, j'ai rien fait d'intéressant. En fait, depuis le retour de mon séminaire, j'étais éclatée. Donc, j'ai dormi jusqu'à 15h aujourd'hui. Et après, j'ai commencé à me préparer. Genre, j'ai fait mes cheveux, j'ai lissé mes cheveux pour aller au concert de Nino ce soir. Donc, voilà. Le rendu, franchement, je les ai archi mal lissés parce que j'avais pas le temps. Donc voilà, donc je vous ai pas pris avec moi, mais je vais vous mettre des snaps et des vidéos juste après. En tout cas, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Moi, je vais m'arrêter là parce que demain, concrètement, il faut que je monte ce vlog, que je fasse le ménage, que je me prépare pour ma nouvelle semaine de taf et que je prépare du contenu pour la semaine prochaine, parce que là en fait je vous ai gâté, j'ai eu un séminaire, je suis partie à un concert, j'ai mangé avec mes copines, donc donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait hyper plaisir de passer cette semaine avec vous et enregistrer tous ces souvenirs. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.